بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. ورمسي الله توجور دال الكادر لرقل على بذكر الله تطمئن القلوب. نوفينو لابران سيصور عنكار اتر الرقلي لصورة القيامة كي يين مانيير يين فاسون ديترميني بار الله كمالير القرآن. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans ces versets-là? Comme vous le savez, avant ça, waratil le Coran, partida. Lisez le livre saint, la parole divine d'Allah, à une bonne manière. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tuharrik bi lisanaka et ta'adal bihi. La tuharrik bi lisanaka. Vous et moi, nous devons lire le Coran correctement. Comme les gens, les savants, les tajwid l'ont dit, et il t'a répondu le harfé, haqqahu wa mustahaqqahu. Tu dois lire tel que déterminé, tel que c'est descendu, tel que enseigné par Jibril alayhi salam. Nous savons, nous ne pouvons pas lire comme Jibril, mais nous essayons, mashallah, d'être proches. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, essaye pas d'aller vite avec la lecture. Essaye pas de lire à ta manière. C'est pas une lecture simple. Une lecture que nous lisons, comme on a entendu dans le passé, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, القرآن لغة العربية هذا لغة أمتنا نحن نعرف القرآن ونقرأ القرآن محمد نعرف تفسير القرآن ونعرف معنى القرآن. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'est pas ça. Vous devrez l'apprendre. Vous devrez avoir un professeur qui doit vous enseigner, pas n'importe quel professeur, qui doit vous enseigner avec le Coran. Oui, le Coran est enseigné aujourd'hui dans nos écoles publiques. Surtout dans les pays arabes. Mais bila ahkam tajwid. Bila ahkam tajwid. Que ce soit les 10 manières, lecture des 10 manières, mais on apprend. Bismillah. Donc, si Allah vient de dire à un prophète, la tuharrik bihi lisanak. Ça montre que vous et moi, nous devons aller à la recherche de cette lecture-là, cette très belle lecture. Plus tu lis mieux le Coran, mieux c'est pour toi. Al-ma'na, ça arrive après. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allahu Akbar. Donc ça nous montre le professeur, l'élève, comment suivre. Tu l'apprends d'abord harfun bi harfin. Après ça, vous faites une lecture complète. Après ça, vous devrez aller appliquer les ahkam comme il faut. Ensuite, dès que tout ça s'est terminé, je connais la surat al-Fatiha, je l'ai lu comme il faut. Je vais aller chercher le ma'ana. Tout est dans surat al-Fatiha. Prof, que tu me dis qu'est-ce que ça veut dire surat al-Fatiha? Hein? Min alhamdulillah, min al-basmala, ila wala dhalin, amin. Si on dit on doit donner le tafsir de surat al-Fatiha, ça va remplir 6 cassettes dans le temps, 6 CD. Donner le tafsir al-ma'na, sabab al-nuzul, kullu, ça va prendre 6 cassettes ou bien 6. Donc, on ne pourra même pas le finir ce soir, juste à ce moment-là nos autres. On apprend. Oui, je peux apprendre quel maman, alhamdulillah. Ben, si le mufassirun, il s'est bien à détailler, alhamdulillah, masha'Allah, tu as le goût encore.
Donc c'est juste pour nous encourager, nous, et puis dire, il n'est jamais trop tard. Lèvons-nous, mashallah. Il y a plein de monde qui connaissent le Coran autour de nous. Il y a plein de monde qui peuvent nous enseigner. Arrêtons pas seulement qu'est-ce qu'on a appris depuis qu'on était enfant. Arrêtons pas seulement ce qu'on sait déjà. Si nous regardons, qui parmi nous qui a un professeur qui enseigne avec le Coran? On ne parle pas des enfants là. Nous-mêmes, des adultes d'abord. Donc, corrigeons ce qu'on a appris.